Bienvenue à tous dans cet épisode spécial de Planète 1G, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Aujourd'hui, je vous emmène voyager au Japon et pour l'occasion, je vous ai remixé le générique de l'émission. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous le mets en bonus à la toute fin de cet épisode. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire pour me donner votre avis. Pour cet épisode spécial, je tiens à remercier évidemment mon invité pour sa disponibilité, le club de Buchelet, Buderonze pour leur accueil chaleureux tout au long de l'année. Évidemment, je remercie aussi très chaleureusement le club de Montivier, Philippe-Pierre Sensei pour ses conseils précieux et tous mes partenaires d'entraînement, sans qui la progression vers l'excellence ne serait pas possible. Merci à vous les gars. Merci aussi à William qui a enregistré les bruitages de cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez... La faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à trois personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp. C'est un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Merci à tous les auditeurs fidèles qui m'ont suivi sur cette saison. N'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Bonne écoute, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Jean-Pierre Labru. Jean-Pierre, bonjour, comment ça va Bonjour, bonjour, je vais super bien. Bon, bah écoute, euh, il commence à faire très très chaud. <laughs> on est en sueur, il y a le bruit des ventilos, c'est pas grave, on a la même chose sur l'épisode d'avant. Est-ce euh, que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs Oui, ben voilà, Jean-Pierre Labru. Donc, euh, je suis pratiquant de kendo depuis mon plus jeune âge. Je suis ingénieur en informatique, euh, je travaille dans une grosse compagnie, je ne sais pas si je peux la citer. Euh... Bon, tu peux, parce qu'ils ont sponsorisé deux épisodes avant. D'accord, <laughs> mais c'est Capgemini, voilà. Voilà. Et, euh, et donc ça fait, euh, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis chez eux. Ok, et euh, au niveau du kendo, tu es quel euh, grade Alors oui, au kendo, au kendo je suis euh, Kyoshi 7e dan, 7 dan depuis 2009 même. 2009, et ton dojo où tu pratiques Alors je pratique au plus de 11, dans le 11e arrondissement de Paris. Et tu as des responsabilités au niveau européen aussi, je ah crois Oui, bah oui si, on, si on commence à sortir les casquettes, effectivement, c'est bah oui. pas mal. Les donc, euh, au niveau européen, je suis euh, directeur technique, donc euh, élu. Euh, on est cinq membres euh, et donc le, il y a un poste technique, le poste de directeur technique. J'ai donc été élu euh, par les présidents des, des fédérations de tous les pays d'Europe. Euh, et puis, euh, après, j'ai des, euh, des responsabilités, euh, je dirais, euh, sportives. Je suis arbitre international, euh, et, euh, et enseignant bien sûr j'encadre je, pas mal de stages un peu partout dans le monde voilà. ok très bien non non mais il faut citer les, faut citer les, les galons c'est important quand même oui, pour oui. déjà pour recontextualiser l'épisode et puis euh, bon alors je m'excuse aux éditeurs ils vont dire encore un deuxième épisode sur le kendo j'ai envie de leur répondre euh, écoutez euh, je fais ce que je veux <laughs> c'est moi le patron <laughs> ici pour une fois <laughs> donc je m'autorise et puis en plus euh, euh, deuxième point alors on avait eu une interview avec Koichi Nakabayashi qui était 6ème dan donc Évidemment, les gens vont me dire, j'avais intitulé l'épisode avec Koichi euh, Voyage au cœur du kendo avec un grand maître de kendo, et là on a quelqu'un qui est septième dan, qui est encore au-dessus, donc je ne sais absolument pas comment je vais appeler cet épisode, mais euh, <laughs> on verra. Euh, mais là, en fait, avec Koichi, on avait plutôt voulu, euh, voulu euh, montrer les interactions entre euh, la naissance d'un champion et les interactions, comment on arrivait à concilier les emplois du temps. Là, avec Jean-Pierre, on va parler de choses un peu différentes. Vous allez voir, restez avec nous. Donc déjà, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que ça veut dire septième dan Parce que on a les auditeurs qui ont eu Koichi, qui était sixième dan. Maintenant, on a septième dan, et, et, et les gens se disent bon, au bout d'un moment, on empile un peu les, on empile un peu les grades, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, est-ce que tu, tu peux nous, nous, nous imaginer, nous expliquer ce que ça veut dire septième dan pour toi, de, tout du moins dans le kendo Alors, ben dans le kendo, effectivement, est organisé en avec un système de grades hein, qui va du premier au huitième dan. Ça allait jusqu'au dixième dan et puis ça s'est, euh, je dirais, restreint il y a quelques années. Euh, donc le septième dan euh, en kendo euh, arrive, euh, bah, effectivement, ça, on est progressif, on commence par le premier. Il y a des intervalles de, de, de nombre d'années entre chacun des grades et, euh, et donc euh, bah, on demande euh, pour, pour les candidats d'avoir un, un certain niveau technique et de s'opposer à des candidats eux-mêmes cherchant à obtenir le même grade et puis euh, démontrer euh, leur leur savoir-faire et leur, leur compétences euh, aussi bien euh, technique que euh, que humaine. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une autre signification particulière euh, dans le dans la dans l'évolution de, de la pratique ou dans l'atteinte de certaines euh, qualités humaines et, ou euh, techniques Alors je dirais je dirais que ça, ça rejoint un, un niveau de, de compréhension bien sûr de la, de la pratique. Un niveau de, 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 de lucidité, d'attention, de lecture, hein, de, de capacité de lecture de, de la situation. Euh, voilà, et une capacité d'action, bien sûr, qui va avec. D'accord, ok. Euh, tu écris beaucoup, tu as un blog, euh, je mettrai le lien euh, dans le descriptif de l'épisode. Et tu, tu as écrit une chose sur un blog. Ouais. Euh, avant de te, te lire la, la phrase que tu, tu as écrite sur le blog, te... c'est important pour toi d'écrire beaucoup, d'expliquer, de, de, de transmettre. Alors ah oui, alors comme je l'ai écrit dans mon, dans mon introduction du, du blog, ça, ça relève d'une frustration de ne pas pouvoir avoir assez de temps pour rentrer dans les détails dans un cours, d'avoir cette capacité-là d'aller euh, au, plus, au plus fin hein, en termes de granularité sur l'explication. Ça prend beaucoup de temps et, euh, et, euh, et donc je me suis dit que c'était un bon moyen, le blog, arriver à, pour arriver à, à communiquer ce, ces détails. Après, il y a d'autres moyens que j'énumérerai par la suite, mais voilà, c'est un des moyens. D'accord. Non, je rigole parce que donc j'ai retenu une phrase euh, dans le bloc. Jean-Pierre a écrit :« Dit pour obtenir une bonne réponse, il faut euh, il faut poser euh, il faut susciter la question, il faut poser la question en avance. » Et donc euh, c'est absolument pas ce que j'ai fait pour ce podcast. Je t'ai envoyé aucune question. Donc euh, on n'aura peut-être que des mauvaises réponses. mais <laughs> je me rappelle pas trop. J'essaye d'avoir un, une écriture un peu un peu, pas humoristique, mais un peu un peu légère, de sujets un peu un peu profond pour ne pas lasser, déjà. Ce n'est pas une œuvre académique, mon blog. C'est J'essaye d'intéresser les gens et de les motiver à rechercher par eux-mêmes, finalement. Ouais. alors, je lis la phrase pour... Logivoisa étant une réponse, il repose sur une question. Avez-vous remarqué combien il est plus aisé de répondre à une question à laquelle on s'attendait C'est ça, la phrase. Oui. Tu veux commenter Oui, c'est-à-dire que Logivoisa, c'est une contre-attaque. Donc pour faire la meilleure contre-attaque, il faut être certain de l'attaque que va mener le partenaire. Et, et quoi de mieux euh, pour, pour être certain de l'attaque, c'est la suggérer et d'arriver à lui suggérer l'attaque dont on a euh, comment dire, dont on a déjà la réponse. Dans ton blog, tu fais aussi souvent des... un rapprochement avec la, la musique. Euh... Si je ne me trompe pas, c'est un... important pour toi déjà. Est-ce que toi, tu as un lien par rapport à la musique particulière ou... Et ou est-ce que c'est -ce est important de, de faire cette corrélation avec... Euh... Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs une des clés de la réussite euh... dans les arts martiaux de... Alors, oui, alors c est, c est, euh, je fais des, des, des rapprochements surtout avec le rythme. Ouais. Euh, les, les, les rythmes, la, la musique, moi, je m'en... J'aurais aimé, j'aurais aimé commencer jeune, euh, mais effectivement, on m'a offert mon premier instrument de musique. J'avais 50 ans, voilà. je n'ai pas commencé. Et, mais par contre, j'y trouve, euh, j'y trouve une capacité que je que je fais euh, comme lien avec le kendo. Enfin, je trouve des liens avec tout. Hein. Le kendo, je trouve des liens avec tout. Mais donc, dans la musique et dans, notamment dans le piano, alors à, à mon très petit niveau, j'arrive à trouver un état de concentration. Euh, attentif mais pas crispé, et un petit peu hein, le même état de concentration que j'essaie de retrouver quand je suis en, en kamaï en kendo, en garde, face à voilà. un, okay. un adversaire. D'accord. Euh, pour les auditeurs, donc là, je vais, je vais faire un petit peu, comme je fais d'habitude, je vais faire des, des, des questions à Jean-Pierre pour, pour nous le pour nous faire voyager un petit peu dans, dans son univers. Et il euh, y aura une deuxième partie de l'épisode où j'ai demandé aux pratiquants, donc de dojo parisien, de dojo normand, de poser des questions euh, à Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre y répondra euh, dans la deuxième partie de l'émission. Tu as commencé le kendo à quel âge, Jean-Pierre Alors, c'est une question à laquelle euh, j'ai eu la réponse assez récemment parce que on avait perdu le fil avec ma maman, on ne se souvenait plus trop. Et euh, j'ai retrouvé une vieille photo du championnat de France 1974, qui avait eu lieu en mai, à Bordeaux. Et je me souviens euh, à cette époque y être allé avec ma maman et avoir commencé un ou deux mois plus tôt. Donc j'ai commencé euh, premier, euh, premier semestre 1974. Ça commence à, ça commence à remonter. Et, euh, et donc tu devais avoir euh, quelque chose comme 5 oui. ou 6 ans, c'est ça Voilà, j'avais 6 ans. Ok. On peut donner ton âge actuel d'ailleurs Oui, euh, ben, normalement, dans la semaine prochaine, j'aurai 56 ans. Ok, très bien. Et donc, on dit, tu, tu m'expliquais en tout début, euh, avant qu'on qu lance l'émission, que donc tu as commencé en 1974 et le, le début du kendo en France c'est à peu près, euh, c'est juste avant, euh, en 1973 avec l'arrivée de Monsieur Yoshimura en France, c'est ça Oui, alors c'est effectivement, y y il avait, y avait eu du kendo, quelques Japonais étaient déjà passés. Euh, la fédération européenne a été créée en 1969 ah, oui. euh, et donc euh, euh, 1973. M. Shimura a été envoyé, il était tout jeune, il a été envoyé par, par le Sensei qui a créé la Fédération Européenne. Et donc, il a envoyé Monsieur Shimura en France et donc en Europe pour développer le, le kendo. Et, et on, on peut dire que c'est le, le début du kendo organisé et, et je dirais le, la, vraie, la vraie fondation technique du kendo français. D'accord. Donc toi, tu étais enfant euh, et tu voyais ces pionniers euh, adultes, euh, tu fais partie des bébés pionniers, des pionniers, mais tu voyais les pionniers <laughs> adultes euh, euh, pratiquer. C'est quoi les, les, les faits les plus marquants que, qui, qui te reviennent euh, en tête, que tu voudrais nous, nous partager sur cette époque Alors déjà, il faut savoir que je n'ai jamais vu de kendo sans le pratiquer moi-même. C'est assez rare. On a toujours des souvenirs de, de, de la première fois qu'on en voit. Moi, j'ai commencé par pratiquer sans l'avoir jamais vu. Et donc euh, les, les premiers souvenirs que j'ai, bah, c'est les souvenirs des sensei euh, japonais qui passaient. Donc euh, Tanaka Sensei, euh, Koda Sensei qui sont venus euh, dans les années euh, 76-77. Euh, voilà, donc mes, mes premiers stages euh, en armure, euh, voilà, c'est les premiers souvenirs euh, les, plus, les plus marquants euh, de l'époque. Et euh, nous, on est une génération où on a l'impression qu'on n'a plus rien à découvrir. Que tout est connu dans le monde. Que... Et vous, vous êtes la génération des, des pionniers sur plein de choses, en fait. C'est rigolo. Et ça n'a pas une saveur particulière. Qu'est-ce qu que tu dirais, euh, justement, à une génération comme la mienne et à ceux qui arrivent, euh, qui, 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 bah voilà, qui, qui viennent Les choses sont établies. Il y, y a moins de mystères dans le monde. Euh... Est-ce que toi, tu as une nostalgie par rapport à cette époque-là, justement, dans les années 70-80, où vous, toutes les choses étaient ah, un peu nouvelles, en, en pleines de mystères oui, alors euh, mais je pense que le, le, le mystère était aussi euh, du fait de ma, de ma méconnaissance, c'est-à-dire hein, que quand on est jeune, on ne connaît pas encore le monde. Donc euh, découvrir ce qui existe déjà, c'est aussi une découverte. Alors, en termes de, de kendo, ce qu'on peut dire, c'est que euh, depuis récemment, euh, on a une connexion avec le Japon très, euh, très étroite, on a beaucoup, beaucoup de professeurs qui viennent régulièrement, on a des échanges euh, avec les, les, les moyens modernes. Euh, pour pouvoir euh, avoir du lien avec eux. Donc, ça crée un lien beaucoup plus fort que quand j'étais jeune, où on voyait les, les Japonais comme des êtres un peu à part, un peu comme des extraterrestres. Voilà. Et maintenant, on arrive à trouver, euh, euh, peut-être qu'aussi, on s'est acculturé avec eux, parce que euh, culturellement, c'est très important. Ils ont quand même une culture très différente de la nôtre. Et, euh, et pour mieux les comprendre et pour mieux échanger avec eux, le fait d'avoir une sensibilité à leur culture, euh, il fait beaucoup. Je pense que beaucoup d'incompréhensions qu'on a eues par le passé avec les Japonais venaient justement de cette incompréhension culturelle qu'on pouvait avoir à l'époque. Tu en mets beaucoup dans ton enseignement euh, de cette partie culturelle, justement. C'est important pour toi. Et, euh, et est-ce que tu, on voit dans les dojos, c'est assez euh, présent ou pas, pas trop on... bon. Non, je n'ai pas, pas de côté. Euh, C'était mieux avant. Euh, je, je suis persuadé, et d'ailleurs, euh, c'est totalement immodeste de ma part, de penser que euh, je suis au meilleur de, euh, du niveau que je n'ai jamais été avant. Et même à l'époque où j'étais en équipe de France, où j'ai gagné les championnats, je me sens bien plus fort maintenant. Voilà. Donc c'est vraiment euh, très différent. Mais euh, non, non, je n'ai pas de, pas de nostalgie euh, particulière sur ces sujets-là. L'aspect culturel, pour moi, euh, on, on, peut faire un, comment dire, on peut le résumer à quelque chose de très simple. Soit on pratique un sport, et à ce moment-là, c'est un sport euh, avec des règles, on, et, et on voit euh, des, des, des sportifs très, très émérites en kendo avec un très bon niveau. Soit il y a quelque chose de plus, et ce quelque chose de plus pour moi est très lié à la culture japonaise, qui fait que le kendo finalement c'est une pratique d'une vie entière et non pas une pratique limitée à la période où on fait de la compétition. Et, et, et ce que j'aimerais, ce que j'aimerais passer comme message dans mes aspects culturels que j'essaye de relier toujours à l'enseignement et finalement à la, à la performance aussi en compétition, parce que ça peut être aussi très lié. Hein, il peut y avoir des liens de cause à effet entre euh, la culture et les résultats euh, en compétition c'est de se dire que euh, le kendo, c'est beaucoup plus qu'un qu sport, et donc ça doit pouvoir être pratiqué toute la vie. J'ai vu encore récemment une vidéo d'un centenaire qui pratique le kendo très régulièrement. Euh, dans un sport, c'est très rare, voilà, ou pratiquement impossible. Donc cet aspect culturel, je le voudrais, comment dire, essayer d'initier des personnes qui raisonnent pour l'instant, parce qu'ils sont jeunes, et la compétition, c'est quelque chose qui est très prenant euh, en termes d'intention, de, de, euh, de temps. Euh, d'arriver à, à les amener vers quelque part une future reconversion ou une conversion à quelque chose de beaucoup plus large que l'aspect sportif. Voilà. D'accord. Euh, tu, tu nous fais une petite transition intéressante vers... Euh, donc tu disais, je me sens plus fort aujourd'hui à 56 ans que je ne l'ai jamais été. Euh, Qu'est-ce qui explique ça d'ailleurs Parce que on, on a les... vous irez voir sur YouTube, vous chercherez, vous verrez une, une, un combat entre euh, Jean-Pierre et euh, Koichi Nakabayashi. Et euh, bah, il y a à peu près 20 ans d'écart entre les deux. Et euh... je ne me trompe pas en disant que vous faites à peu près jeu égal, Koichi remporte le combat, mais c'est presque anecdotique. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu, tu, toi, tu, tu, tu es plus fort Et par rapport aux autres sports, justement, on pourrait dire euh, la jeunesse, la vitesse, la. la la capacité physique, etc. Qu'est-ce qui fait la différence euh, euh, à... Alors, j'en je, parle un petit peu, hein, cet aspect euh, lecture, euh, lecture de la situation, euh, compréhension de l'autre, euh, lecture de ses points forts, ses rythmes, euh, ses distances. Euh, tout ça, c'est la maturité qu'il qu fait, euh, qu fait naître en nous. Hein. C'est-à-dire euh, au début, on est un petit peu à se dire euh, qu'est-ce qui va se passer. Au bout d'un moment, on a un petit peu plus de D'expérience pour se dire, tiens, ça, ça me rappelle un petit peu ça, ou tiens, je le ressens comme ça. C'est un petit peu le principe du ressenti. C'est que le ressenti est basé sur des, des, des milliers de petits, euh, de petits souvenirs euh, qui, qui, se, qui se conjuguent pour arriver à donner un ressenti euh, immédiat quand on, quand on perçoit quelque chose. Donc, c'est un petit peu le même principe. Euh, plus on a d'expérience, plus on est en capacité à, à lire la situation et donc à mieux y répondre. Euh, il y a aussi une question d'évolution euh, personnelle, hein, de, de construction de la personnalité. Euh, parce que le, la personnalité influe beaucoup sur la pratique du kendo. Euh, Quelqu'un qui n'est qui est pas confiant, euh, qui n'est euh, qui pas sûr de lui, aura beaucoup de, de, de difficultés à, à s'exprimer. Donc voilà, tous ces aspects-là sont des, des, des choses qui ne font que se développer tout au long de la vie. Petite pause dans ce super épisode pour vous rappeler de le partager à trois personnes de votre entourage par WhatsApp et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et donc, du coup, c'était ça, ma transition c'était vers toi, ton évolution future. Et euh, tu vas nous raconter un petit peu. Euh, il y a un mois, tu es parti au Japon euh, pour te promener déjà, c'est déjà très bien. Mais euh, aussi pour tenter de passer le, le 8e Dan. Et alors, on va essayer de, tu vas essayer de nous raconter un petit peu ça. Déjà, est-ce que c'est -ce est facile de passer le 8e Dan Est-ce qu'il y a des 8 Dan français aujourd'hui ou hors Japon explique moi un petit peu le contexte de, de, ce, de ce passage. Oui, alors, euh, c'est vrai que je suis allé au, au Japon à peu près 16 jours en tout. Euh, effectivement, à la fin de mon séjour, j'avais mon passage de, de 8e Dan et, euh, et le, le Tachai au Tokuden, qui est un, une sorte de, de, de festival de, du kendo. Euh, J'y allais aussi pour rencontrer les sensei. J'ai fait la tournée des dojos. Hein. J'ai fait un petit peu une sorte de, de shubio, comme on dit, hein, le, un peu le, le, le tour du Japon des dojos. Hein. Je n'ai fait qu'une dizaine, mais c'est déjà pas mal, hein, sur 16 jours. Et, euh, et alors, le huitième le Dan, dan c'est quand même assez particulier, le huitième Dan de Kendo. Euh, c'est réputé pour être l'examen le plus difficile à obtenir au monde, toute discipline confondue. Que ce soit euh, discipline euh, universitaire ou autre, pour, une raison, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour avoir le droit de présenter l'examen, il faut avoir eu déjà son septième Dan, effectivement, depuis dix ans. Donc, euh, et avoir 46 ans minimum. C'est-à-dire que pour avoir le droit de présenter l'examen, il faut pratiquement une vie de pratique. Donc il n'y a pas beaucoup d'examens dans le monde qui demandent euh, 40 ans d'études pour euh, présenter l'examen. Et une fois qu'on présente l'examen, il y a 0,6 ou 0,8 de réussite. Et il y a deux, quelquefois trois examens par an. Voilà. Donc c'est l'examen le plus sélectif, je dirais, euh, au moins. Voilà. Donc, okay. euh, Huitième date, c'est un examen qui, qui, se, qui ressemble beaucoup aux autres examens, c'est-à-dire que les candidats se rencontrent entre eux, essayent de s'exprimer malgré l'opposition, eh, malgré euh, l'adversaire qui, lui, essaye de faire de même. Et euh, une fois qu'on a, qu a réussi à, à montrer un petit peu euh, ce qu'on vaut, euh, on peut très bien être sélectionné pour passer un deuxième tour avec d'autres personnes qui, eux aussi, passent le deuxième tour et à ce moment-là, essayent avec un niveau bien plus élevé. Essayent eux aussi de s'exprimer et de montrer leur meilleur kendo. Voilà. Par cette difficulté, par cette rareté, à ton avis, qu'est-ce qu'ils cherchent à... à démontrer ou à préserver ou... Euh, ou à valider quand on te donne ce huitième Dan justement Alors bon, mais effectivement, euh, et, et, et c'est intéressant parce que ça, cette année, les critères vont changer un petit peu. Alors c'est très intéressant parce que les, les critères ont changé un petit peu il y a un critère qui a changé il a été demandé au juré d'examen du 8e Dan de ne pas tenir compte de la vitesse de réalisation comme un élément positif. D'accord. La phrase donc, est importante. La tournure de la phrase est importante. Alors, tout le reste, voilà, la vitesse elle-même, on n'en tient pas compte. Et alors, c'est intéressant parce que tout de suite, la moyenne d'âge des, euh, des reçus a pris 8 ans d'un coup. Elle est passée de 52 à euh, plus de 60. Et donc, que les, les jeunes ne peuvent plus, comment dire, euh, jeunes, alors quand je dis jeunes, ils ont 46 ans quand même, hein, pour pouvoir se présenter le week-end, il faut 46 ans minimum, mais il y en a eu un seul cette année qu'il a eu, à 46 ans. Après, il y en a eu euh, un vers les, vers les 52, et puis après, c'était plutôt à la fin des 50 et, euh, et 60. Et donc c'est intéressant dans le sens où euh, on se dit qu'ils ont juste changé un petit critère, et on aurait, dit, bah, on aurait pu se dire que... Le nombre de candidats reçus aurait pu changer également, non On est resté dans le même dans le même quota, alors qu'il n'y a pas de quota. Voilà, c'est vraiment assez intéressant parce qu'il y a comme une sorte de de chiffres de, de chiffres de, de, chiffre de nombre d'or, euh, voilà, de, 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 du passage au grade, et on est euh, limité en dessous des 1% de reçus. Voilà. Ok. Euh... Il y a, je lisais un article dernièrement, un Japonais qui a tenté euh, dix fois, il a passé, il a obtenu au onzième fois. Donc, je pense qu'il y a une, euh, une certaine euh, leçon là-dedans euh, d'humilité. Et il disait dans l'article justement que le facteur X qui avait fait qu'il pour lui, il avait réussi à, à l'obtenir, c'est qu'il avait arrêté de se présenter au jury en essayant de montrer son meilleur kendo au jury, mais en ne se concentrant que sur l'autre. Est-ce que c'est pas ça la clé finalement? d'avoir détruit complètement son ego et de s'être concentré sur l'adversaire et sur le combat pur en fait. Je ne connais pas ce, ce, ce sensé, hein, mais... Euh... Ah, je retrouverai le nom, je te le Non, mais c'est dommage qu'il ait attendu dix fois pour s'en rendre compte. <laughs> moi, moi c'est ce que je, je dis déjà ça aux candidats quand il présente les autres grades. Je okay. leur dit, le jury d'examen, il est là pour mesurer. Il ne faut pas que l'instrument de mesure influe sur l'expérience. Vous devez être en connexion avec votre partenaire et montrer votre kendo par rapport à votre partenaire. Ce jour-là, vous oubliez le jury, vous êtes avec votre partenaire. Voilà. Donc, euh, voilà. Le, le jury n'est là que pour mesurer, pour évaluer. Il ne faut pas que, voilà. J'en ai dit récemment à une, une, une française qui a obtenu son septième dan récemment et qui l'avait raté deux, trois fois avant. Euh, le, le conseil que je lui ai donné, c'est d'arrêter de vouloir montrer quelque chose au jury. Quand on arrive à faire un beau débanamen, donc la technique la plus difficile de kendo. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes après derrière, euh, de passer, de d'aller, euh, de faire un peu d'exagération de, de, pour montrer. Vous avez vu euh, comme j'ai bien fait. Le jury est suffisamment compétent pour voir même avant même que le sabre touche, il a bien vu que le débat n'amène allait arriver. Bon voilà, tout ça pour dire que euh, effectivement, c'est un des prérequis euh, d'arriver. Et d'ailleurs, c'était mon, mon quand j'ai présenté euh, l'année dernière au mois d'août, j'y suis allé et mon but c'était pas euh, c'était pas dans les meilleures conditions pour passer le grade. Mais je me dis, voilà, je vais déjà m'acclimater à ce qu'il y a un passage de grade au Japon, parce que c'est quand même très compliqué quand on est à 800 mmh. personnes, tout le monde parle ouais. japonais, il n'y a pas un seul, rien d'écrit en anglais, tous les formulaires sont en japonais, enfin il y a pas mal de. Enfin, c'est pas, pas simple. Mon but à moi, c'était d'arriver à me connecter à mes partenaires et d'arriver à les reconnaître après coup pour aller les remercier. Voilà. C'était mon objectif de mon passage de grade de 8e d'année de l'année dernière. Voilà. De, de cette année, tu veux dire De l'année dernière, du mois d'août. Hein. Cette ah d'accord, c'était encore différent. Non, alors du coup, l'objectif de cette août, année C'était mon, mon objectif, c'était d'arriver à les reconnaître après coup. Voilà. D'accord. Et le, donc l'objectif, ton objectif, là, euh, au mois de mai, c'était quoi Alors tu avais changé d'objectif Alors, alors c'est là où c'était un petit peu plus euh, délicat, c'est-à-dire que j'ai fait justement, et c'est la longueur du séjour hein, qui, a, qui a joué euh, sur, euh, sur l'expérience, j'ai vu pas mal de scènes, j'ai eu pas mal d'informations, pas mal de, de points de vue sur mon kendo, de choses que je pourrais améliorer. Euh, et effectivement, j'ai essayé, j'ai tenté de le faire. Ça m'a mis en, en, en zone d'apprentissage, donc pas la zone de confort où on peut vraiment être au mieux de soi-même. J'étais en zone d'apprentissage, j'étais un petit peu en risque, donc j'étais un peu, ce que, ce que j'ai dit en anglais, j'étais un peu hein, voilà, j'étais un, euh, un peu en, en vrac dans euh, mon propre kendo. Voilà. J'étais en train d'essayer des choses, de changer, et je n'étais pas au mieux euh, et je n'ai pas pu exprimer mon meilleur kendo. Par contre, deux jours après, j'ai pu euh, me, re, me ressourcer, me rassembler. Et faire un meilleur combat, mais c'était deux jours trop tard. Oui, bah après c'est comme la, la construction de plein de choses. Il y a une phase de la chance du débutant, le, la phase de chaos et la phase de construction avant d'atteindre l'objectif voilà. visé. Euh, si vous avez un du... conseil à donner avant un passage de grade euh, retrouvez-vous vous-même et faites votre passage de grade. Et à la limite, si vous voulez après progresser et rencontrer des sensei, faites-le après l'examen. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est un truc que tu conseilles aux, 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 aux élèves d'aller discuter avec les C.N.C. ouvertement de leur passage. Il y a des C.N.C. Qui, qui refusent parfois de donner des conseils. Oui, ou alors, des... mais voilà, c'est euh, un, un choix que j'ai fait. Euh, je prends des notes à chaque fois que je suis juré d'examen. Je prends des notes et à la fin du de juré d'examen, j'ai une file de candidats qui n'ont pas eu, qui viennent me demander euh, pourquoi. Voilà, donc euh, j'ai pris quelques notes et, euh, et je leur donne deux, trois, euh, deux, trois idées de travail. Voilà. C'est un passage de grade, c'est aussi un, une étape dans la progression. Et il faut que ce soit vu comme une étape et pas un échec. D'accord. Voilà. Comment on se prépare Toi, c'est quoi ta, ta philosophie Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu te laisses le droit à l'échec. Donc, tu te fixes des échelons. Ça, c'est vachement intéressant, en fait. On pourrait se dire, je vais au huitième Dan pour le gagner. Non, toi, tu t'es fixé des, des paliers, des, 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 des échelons. C'est super. Euh, comment tu te, tu te prépares, justement euh... Tous les jours. il euh... y a la phrase que j'aime bien, c'est les échecs font le tremplin vers la réussite. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, et, et, et on le sait, Bill Gates, quand il a créé Microsoft, il avait euh, coulé 15 boîtes avant, je crois. Donc, voilà, c'est donc euh, soit on, on a un échec et on est abattu et on fait plus rien, soit justement on se relève et puis, euh, puis jusqu'à qu'on y arrive. Quoi. Donc, euh, j'ai pas de, voilà, je, je sais qu'à chaque fois, je vais passer euh, et je vais progresser à chaque fois. Voilà. Euh... Mais en, en, au niveau du travail euh, hebdomadaire, euh, tu te fixes des, 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 des thématiques, euh, tu les changes régulièrement, tu as une routine. Euh... Oui, alors, euh, alors déjà, déjà, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Déjà, le jour où j'ai eu mon quatrième Dan, je me suis dit que je commençais à travailler pour mon huitième. Okay. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu ce jour-là, peut-être c'est une influence par le CNC le du moment, en 1991. Le jour où j'ai eu mon quatrième Dan, je me suis dit, voilà, je travaille pour mon huitième. Donc mon kendo. Euh, je n'ai pas travaillé spécialement pour gagner la compétition. puisque 91, j'étais au début de ma carrière, hein, parce que j'ai commencé en 90 jusqu'en 2003 en équipe de France. Donc euh, voilà, j'ai commencé à, à travailler mon dan tout en continuant à, euh, à conserver euh, mon efficacité en compétition. Voilà, ça a été euh, voilà, ça a été euh, le début, je dirais, de, de, ma, de ma prise de conscience de où je voulais amener mon kendo. Et, euh, et en termes de routine hebdomadaire au quotidien ça change régulièrement, je n'ai pas de règles particulière. Quand j'étais en équipe de France, je, je me débrouillais pour, euh, pour faire mes, mes modifications de mon kendo après les compétitions, donc en général euh, sur, le, sur les mois d'été. Et je retrouvais, euh, je retrouvais, je dirais, mes éléments de confiance euh, pour pouvoir gagner les compétitions euh, deux trois mois avant les compétitions. D'accord. Euh, bon, je dérive par rapport à mon script mais il y a une autre chose qui m'est venue à l'esprit euh, quand tu préparais la, la compétition justement on a lu sur ton blog avec, euh, avec Guillaume que je, je fais coucou euh, qu'en fait tu, tu <laughs> ça nous a un peu interloqué, tu disais euh, moi je m'échauffe pas euh, tout est dans la préparation mentale l'instant T, alors tu, ça me fait penser à la phrase euh, on a déjà vu, est-ce que tu as déjà vu un lion dans la savane s'échauffer non, c'est dans un film <laughs> célèbre. Euh, mais en gros, qu'est-ce que tu, tu peux répondre à ça J'ai euh... eu une période comme ça, alors ça, ça me venait de M. Yoshimura, qui, euh, qui dit que euh, qu'on on peut très bien euh, s'échauffer mentalement en, par, par des visualisations, par mm. les, des choses comme ça, et ça peut euh, monter euh, l'échauffement. Alors, c'est vrai que bon, pour, pour le 8e date, par exemple, on n'a plus de salle d'échauffement. On est collé comme ça, on a notre China et on peut peut-être faire deux, trois mouvements comme ça et c'est tout. Euh, et il faut aller passer le huitième Voilà, Par exemple, on n'a pas, on a pas de, de, de place et d'endroit de, où nous-mêmes, ni même l'autorisation de s'échauffer avec les règles Covid au Japon, euh, tout est verrouillé. Donc euh, voilà. Ah ouais. et, donc, et à une époque, c'est vrai. Euh, alors, rétrospectivement, je, je trouve ça un petit, peu, un petit peu too much. Mais je jouais aussi sur le fait que euh, les combats en poule allaient m'échauffer. Parce que j'avais le niveau suffisant pour partir du principe que j'allais me j'allais gagner en poule assez facilement et ça me servirait d'échauffement. Voilà. Non mais le plus... message c'est aussi que c'est d'être prêt mentalement, c'est ça que tu vas voilà, faire passer. Voilà, j'ai me chauffer hein. un peu mentalement et puis c'était aussi une un peu d'intox euh, pour mes euh, pour mes partenaires de, de combat où euh, ils me voyaient pas m'échauffer et, euh, et c'était un peu d'intox. Voilà, c'était c'était plus voilà c'était bon. sportivement c'est pas l'idéal. Euh, par contre, bah, effectivement, euh, on est censé, euh, dans les arts martiaux, être prêt à tout moment. D'accord, ok. Bon, parenthèse voilà. fermée. Et on, revient un, on revient pour une dernière question sur, sur le Japon. Euh, les mots, tu tu... c'est intéressant. Bon, on a parlé beaucoup de passages de 8 Dan. Euh, moi, je voudrais un peu. As, tu as fait la tournée des dojos, tu, tu avais des photos sur Facebook. C'était super de, de partager cette expérience. Euh, c'est quoi les, les moments forts que tu, que tu voudrais partager par rapport à ça, justement euh, On sort un peu du, de la contrainte du passage d'examen. Euh, bon, c'est pas, pas le plaisir principal de, de la pratique du kendo. Je, je pense que le plaisir est ailleurs. Euh, donc, toi, du coup, par rapport à ta tournée des dojos, etc., quels sont les moments forts Qu'est-ce qu que tu en as tiré euh... Alors, les, les, les moments forts, bon, il y a les, les lieux. Un certain lieu euh, très, très émouvant quand on. On arrive dans un dojo, qu'on sait qu'il est euh, plus que centenaire, euh, qu'on voit des, 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 des armures ou des, ou des Shinaï qui ont plus de 100 ans euh, commencer à vieillir. Il y a, il y a un côté, euh, comment dire, euh, oui, c'est ça, wabi-sabi, euh, très, très japonais, euh, de, 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 de valoriser euh, des, des, des objets euh, très vieux. Et euh, donc, sur les, sur les lieux, j'ai visité aussi... Euh, dans les, dans les locaux de la Fédération japonaise j'ai vu euh, j'ai vu des armures euh, très émouvantes des, des armures de, de sensei euh, qu'on ne connaît qu'en photo avec quelques vidéos en noir et blanc euh, de très mauvaise qualité euh, de voir euh, son armure euh, exposée euh, c'est très émouvant voilà toutes ces, ces choses là c'était euh, euh, j'ai pu avoir accès aussi à tous les tous les albums photos euh, qu'ils ont gardé à la Fédération japonaise depuis les premiers championnats du monde euh, en 1970 euh, voilà donc il euh, a il y, avait des, il y avait beaucoup d'émotions beaucoup dans toutes ces photos. J'ai pu voir les membres de l'équipe de France de l'époque euh, sur, des, sur des vieilles photos, dans des, dans des albums photos de, de, de la bibliothèque de la Fédération japonaise. Voilà, donc des, euh, des, des moments comme ça par, liés euh, à, des, à des lieux. Et puis après, il y a les rencontres, les rencontres avec les sensei. Euh, quand on rencontre un sensei comme Iwata Tessensi qui a 84 ans euh, et qu'il bah, a, il a une santé euh, à toute épreuve, il fait une heure de gecko et puis à la fin. Il, il te dit, tiens, viens, on, on va faire encore un, un petit, un petit, une petite démonstration devant tout le monde. Et puis, l'amabilité, la, l'œil, le, le, l'œil la, la critique, la, mais en même temps critique, constructif, euh, appréciatif. Il vous regarde, il a déjà tout compris. Enfin, voilà, tous ces, ces éléments-là de, 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 de rapport euh, au sensei, c'est euh, super, euh, comment dire c'est super euh, motivant de se dire qu'il bah, voilà, euh, est passé par là où on est actuellement, euh, il en est beaucoup plus loin et ça nous amène sur un chemin, quoi, clairement. OK, donc super expérience à renouveler oui. le plus. Et, ce, et le message que tu euh, veux faire passer aux, aux pratiquants, justement, euh, euh, une leçon que tu aurais tirée de ce, de ce voyage et que tu voudrais faire passer euh, aux pratiquants euh, dans leur pratique euh... Alors, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, Celles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, quand vous devez euh, présenter un grade, euh, ne vous dispersez pas à, à écouter les conseils des uns et des autres, euh, même s'ils sont tous très bons. Euh, ça risque de vous perturber dans vos capacités euh, de, de faire l'unité en vous-même pour pouvoir être au meilleur de votre forme pour ne pas passage de grade. Donc, ça, c'est le. Et je me le fais à moi-même également. Si je devais repartir deux, trois semaines au Japon avec mon passage de grade, je reste au Japon après le passage de grade plutôt qu'avant. Voilà, et puis, euh, et puis une, une leçon, mais c'est plus une, une leçon de, de politesse ou de, ou de tradition japonaise. On ne peut pas, et, et certaines euh, personnes sur, sur Facebook m'ont dit bah tiens, comment on fait pour aller s'entraîner au Japon J'ai envie d'y aller. Est-ce que je peux frapper à la porte du dojo comme ça Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, il faut, euh, il faut être recommandé. Donc, il faut passer par son propre professeur qui active son réseau et qui, au final, arrive à, à, connecter, à se connecter à un autre professeur qui, finalement, va accepter. Et, par contre, vous serez, comment dire, cette recommandation-là va aussi engager les personnes qui vous recommandent. Donc, vous-même, vous devez en tenir compte et faire attention de ne pas vous comporter n'importe comment parce que ça pourrait rejaillir. En, en mauvaise vibration euh, sur, sur toute l'alliée des professeurs qui vous ont euh, autorisé à aller vous entraîner. Voilà. Les championnats euh, d'Europe se sont déroulés il y a quelques semaines euh, euh, à Beauvais. Euh, on a vu... Euh, euh, bon, n'ayons pas peur des mots, une écrasante domination de la France sur les autres nations européennes, euh, victoire en junior, victoire en équipe masculine et féminine, une victoire masculine avec une finale 100% française. Bon, voilà, au-delà du... du Cocorico, euh, qu'est-ce que ça t'inspire et... Alors, euh, bon, tout, tout est relatif, hein, on est d'accord, hein, c'était par rapport à, aux, aux autres pays d'Europe. Bon, euh, au championnat, hein, puis un au instant... championnat du Monde, il y aura effectivement euh, des pays très forts également. Euh, ça ça m'inspire déjà, ça m'a ça rappelé des souvenirs, hein, parce que quand j'étais en équipe de France, euh, euh, on, avait, euh, on a toujours eu une domination française. Il hein, n'y a, y a qu'une seule année euh, où l'équipe de France n'a pas été sur le podium des championnats d'Europe, et, euh, et je crois qu'elle a dû gagner sur les 30 et quelques championnats, elle a gagné 25, hein, quelque chose comme ça, au, en équipe masculine par exemple. Hein, donc il euh, donc, y a toujours eu une domination française. Alors à quoi c'est dû ce serait intéressant hein, qu'il y ait une, une thèse en, en sociologie ou ethnologie sur le sujet euh, qui travaille sur le kendo pour savoir pourquoi la France euh, est meilleure que les autres pays. Il y, a, il y a le nombre de pratiquants, mais pas seulement. Je pense qu'il euh, y a la, la proximité avec le Japon dans le sens où les, ben, les Japonais sont tous très contents de venir en France. Euh, donc quand on les invite, euh, ben, peut-être qu'ils acceptent plus facilement. Je ne sais pas, euh, le, le côté euh, euh, Paris, tourisme, tout ça, ça... Ça, dans l'inconscient japonais, c'est très, très, très valorisé. Euh, voilà. Et puis après, dans la, dans la compréhension euh, française de, des, des, des sports euh, comme l'escrime, euh, peut-être qu'il y a une tradition d'escrime euh, qui va avec notre inconscient collectif et qui fait que bah, ça se traduit aussi dans le kendo par une capacité d'apprentissage technique. Parce que le kendo français, c'est effectivement, il y a du physique, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de techniques quand on regarde bien. Euh, la plupart des combats, c'est des techniques qui sont réalisées et quelquefois des techniques très compliquées, hein, des -no waza, des techniques euh, qu'on ne voit que rarement. Donc euh, voilà, je ne sais pas comment euh, expliquer autrement qu'avec tous ces, ces paramètres-là. Voilà. On a vu des très beaux combats. On a vu des, vraiment euh, beaucoup de gens ont dit d'ailleurs euh, que la qualité technique des combats ont, ont évolué. Et si on a des beaux combats et des, be et des beaux euh, champions, c'est qu'on a eu des beaux adversaires aussi. Donc le niveau global augmente, c'est certain. Oui. Les gens ont tous dit, enfin moi dans mon entourage. Euh, que la qualité des combats était, euh, était super par rapport peut-être à des années précédentes où on était plus dans, dans la bagarre. Euh, euh, donc ça, c'était super sympa. Euh, mais Alors, toi, en tant que directeur technique Europe, est-ce que tu te fixes justement un objectif de faire monter en, en niveau et en capacité les autres nations européennes mmh. euh, et ça tirerait forcément euh, la France aussi vers le haut parce Déjà, que... ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la règle de Kendo a changé récemment. La règle de Kendo en compétition a changé récemment. Euh, pour un kendo, alors euh, on sait très bien pourquoi elle a changé. Hein, C'est parce qu'au départ, euh, on avait des règles qui euh, ont été temporairement mises en place pour limiter euh, la propagation de la pandémie. Euh, et ces règles-là, finalement, euh, on peut être honnête, hein, les, les, la fédération japonaise attendait euh, une occasion depuis des années pour arriver à mettre en place des règles qui puissent donner au kendo un côté beaucoup plus... Euh, Graphique beaucoup plus lisible avec moins de corps à corps, moins de périodes de corps à corps. Il y avait plus de la moitié du temps qui était passé en dessous de Bazaria donc en, en, à proximité. Euh, donc, ça, ce n'est pas, pas quelque chose euh, auquel j'ai participé pour faire monter le niveau. Euh, C'est vraiment euh, au niveau mondial que le, le niveau euh, technique a changé, puisque ben, à partir du moment où on est beaucoup plus souvent en position euh, d'attaque, mais il y a beaucoup plus souvent des attaques, beaucoup plus souvent, beaucoup plus souvent des techniques. C'est beaucoup plus visuel, c'est plus facile à arbitrer. Euh, et ça, justement, met en avant, met en lumière des techniques euh, assez complexes qu'on voyait un peu rarement avant, puisque la force physique euh, dans les échanges à corps à corps a été beaucoup plus prépondérante. Voilà. Donc, ça, ça a changé euh, pas mal de choses sur le, sur le niveau et sur la perception qu'on peut avoir du niveau, parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup plus de pour marqués. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup moins de temps euh, en, en, en proximité. Et. Euh, et donc c'est intéressant comment ça s'est fait puisque la, la Fédération japonaise nous a demandé euh, notre point de vue en Europe. Elle nous a dit, euh, que pensez-vous, euh, si, que penseriez-vous si on mettait cette règle en place et tout ça Et ma réponse a été très simple. Dans l'arbitrage, il y a l'article 1 de l'arbitrage qui consiste à arbitrer de façon euh, équitable, euh, en évitant les accidents et en respectant les principes du sabre. À partir du moment où on est au corps à corps, le sabre de son partenaire à 10 cm de son visage, on ne va pas y rester deux minutes, on ne va pas y rester 10 secondes. On se remet tout de suite en camail. Donc, cette règle-là, finalement, est une règle qui aurait dû être appliquée depuis longtemps. Il y avait du laxisme par rapport au nombre de temps où on restait euh, en, euh, en, au corps à corps, en sous-basinien. Et par rapport à tes objectifs que tu te fixes, justement, pour faire monter le niveau Alors, les, objectifs, euh, de... les objectifs, bien sûr, euh, que, euh, que l'Europe soit régulièrement sur le podium du championnat du monde. Hein, euh, la France ou notre pays, c'est arrivé euh, à deux reprises euh, au minimum. C'est arrivé, euh, euh, arrivé avec la Hongrie, c'est arrivé avec l'Italie. C'est pas encore arrivé avec la France euh, pour l'instant. On n'a pas un tirage au sort très favorable qui nous permettrait éventuellement. Euh, on a eu quelques occasions, hein, 94, euh, 2000, quelques occasions pour pouvoir monter sur, la, sur le podium et ça s'est pas fait. Euh, voilà, ça dépend un peu du tirage au sort. Si on tombe sur le Japon et la Corée trop tôt. Bon, bah, C'est compliqué. Et puis après, quand on a euh, les Américains, il faut arriver à les battre, ou les, ou les Brésiliens, ou les Canadiens, il faut arriver à les battre. Et ils sont, euh, ils sont, ils sont atteignables, hein, vraiment. Quel est le, le facteur X pour franchir un palier pour, pour la France Et est-ce que tu, tu visualises un, un champion aujourd'hui existant qui pourrait euh, atteindre cet objectif Je pense que. Bon, on peut, on peut citer quelques noms, mais. Bah oui, bien sûr. Que le, le... On parlait de Koichi, bon, bah, clairement. Il faut, il faut voir aussi que, on parlait de maturité aussi tout à l'heure. Donc euh, des compétiteurs qui ont euh, 23, 24 ans, euh, qui sont en pleine bourre, euh, bon, ils peuvent avoir des, des super résultats. Après, par contre, s'ils sont face à quelqu'un qui est un petit peu plus expérimenté, euh, peut-être qu'ils auront un petit peu plus de mal à s'exprimer. Donc la maturité, il va falloir arriver euh, à, à, la faire, euh, à la faire monter euh, dans cette équipe. Et, euh, et c'était bien, j'ai toujours euh, milité pour avoir... Une équipe avec plusieurs générations, euh, transgénérationnelles, avec euh, des euh, 32, 35, mais aussi des euh, 22, 24 et puis un peu des euh, 28, 30 au milieu. Et vraiment une, un, côté, euh, un, un côté Senpai Korai. Hein, vous savez la tradition japonaise, hein, donc le Senpai c'est celui qui est arrivé avant, c'est celui qui a un peu plus d'expérience. Le Korai c'est celui qui est euh, après. Donc il y a une relation très particulière à Senpai Korai. Euh, au Japon dans toutes les disciplines hein, que ce soit le monde du travail ou, euh, ou les arts martiaux hein. et donc cette relation là au sein d'une équipe euh, c'est très dynamisant parce que euh, parce qu'il y a il y a un côté très euh, famille très protecteur grand frère euh, et euh, voilà et donc euh, ces aspects là je pense que euh, si on avait que des, une équipe où on avait cinq personnes euh, tous à 24 ans euh, très forts individuellement euh, peut-être que face à des équipes plus expérimentées j'aurais un peu plus de difficultés donc là je pense que l'équipe de France euh, qu'on a actuellement euh, c'est l'équipe parfaite pour arriver sur le podium euh, si tant est qu'elle arrive à éviter le Japon et la Corée euh, bien que euh, la Corée quelquefois on arrive aussi à, à leur poser euh, quand même pas mal de problèmes voilà. et nos deux finalistes au dernier championnats d'Europe euh, donc Lucas et, euh, Lucas et Wilfried de... ouais. oui Lucas et Wilfried alors ben euh, voilà il y, y a un transfert de génération hein, Wilfried un petit peu plus expérimenté mmh. euh, Lucas euh, en pleine balle deux championnats d'Europe d'affilée c'est jamais arrivé hein de, de championnats d'Europe d'affilée pour le même compétiteur en individuel. Euh, voilà, donc euh, Lucas, s'il arrive à tenir la distance, euh, euh, pourra être dans, dans quelques années vraiment un, un candidat sérieux pour le, les Japonais et les Coréens en individuel. Il, il disait dans une interview d'ailleurs que il, il palie au manque de, de possibilités de pratiquer au Japon, il regarde beaucoup de vidéos, etc. Et. Et ça m'emmène aussi à une autre question. Koichi, dans l'épisode, nous disait que par exemple, lui, il ne travaillait pas nécessairement sur sa préparation mentale à côté. On regarde d'autres sports hein. je fais référence à d'autres sports, euh, d'autres euh, pratiques euh, de, de très haut niveau. Il y a d'autres disciplines qui viennent se greffer on prépare les sportifs. On les... Tu vois, il y, y a des choses qui sont faites. Est-ce qu'on euh, n'est pas un petit peu en retard là-dessus Est-ce qu'il faut amener d'autres choses Est-ce que dans le kendo, finalement, ça ne sert pas à grand-chose euh, Quel est ton point de vue là-dessus Ouais, c'est une bonne question. Alors, moi j'aimais ma propre préparation mentale hein, pour, les, pour les compétitions euh, sans avoir euh, eu de conseils particuliers. Hein. J'avais euh, c'était aussi euh, en, en écoutant mon fonctionnement. Hein. C'était voilà donc, c'est pour ça que la préparation mentale. Euh, S'il y a un coach mental, je pense qu'il faut pas que ce soit des généralités, il faut que ce soit vraiment à, adapté à chacun. Euh, c'est un des. Une, une des particularités du kendo, c'est qu'on peut être très différent avec des, euh, des façons de pratiquer très différentes et des efficacités au final qui sont toutes équivalentes. Euh, euh, J'ai rencontré une fois un médecin du sport euh, qui me faisait ma visite médicale euh, et, euh, et je le voyais complètement dans, euh, dans le, le, le questionnement. Euh, il n'arrivait pas à reconnaître musculairement quel sport je pouvais pratiquer. Bon, ben c'est normal, c'est parce qu'en kendo, euh, on a des, musculaires, des, musculaires, des musculatures tellement différentes en fonction de comment on pratique notre façon de pratiquer, les techniques qu'on réalise, euh, notre tempérament, euh, fait que ben, c'est difficile à avoir une musculature particulière. Donc, euh, donc pour le, je pense que pour le mental, c'est un petit peu pareil. Il, faut, euh, il faudrait arriver à trouver un, un préparateur mental qui, soit, euh, qui connaisse bien les athlètes, qui, qui les connaisse dans leur intimité pour arriver à pouvoir euh, leur donner des clés éventuellement. Euh, voilà. Donc, euh, en général, comment ça se passe C'est souvent les sensiers qui font ça. C'est les, les, leurs sensiers qui les connaissent depuis tout petit. Moi, Koichi, je l'ai connu, il avait 6 ans. Euh, Lucas, pareil. Euh, voilà, donc euh, on a, on a du des, 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 des vécu ensemble, des historiques, on les connaît bien, on les a vus grandir. On peut avoir des fois des mots qui peuvent, qui peuvent les servir vraiment. D'accord, super intéressant. Ça, 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 ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure hein, la relation euh, euh, sensei-élève euh, sur la durée, dans la construction d'une équipe, dans la construction de, de, de la performance. Euh... Dans la construction d'un individu. Dans aussi. la construction d'un individu, ouais oh. complètement. Si tu pouvais changer une chose, tu as une baguette magique et tu pouvais changer quelque chose sur euh, l'organisation du kendo en France pour justement aider les équipes de France à au moins tenir la chic euh, aux Japonais, non dans... ouais. quoi Oui, 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 ben, un tunnel euh, entre ici et le Japon. Tu mmh. euh... as peut-être venir. <laughs> ah, ou des euh, détransportation euh, <laughs> voilà, pour euh, pour aller s'entraîner euh, un petit peu partout dans les dojos ou faire carrément venir des des Japonais s'entraîner avec nous, parce que parce que. Au final, et, et, et je, le, je le vois parce que j'ai comme une sorte de, de, de base de données, de connaissances des pratiquants en Europe, et j'ai pratiquement déjà pratiqué au moins une fois avec tout le monde, euh, on n'a plus trop de surprises, on connaît les gens. Euh, et quand on se connaît, c'est comme dans un sport, on se connaît, bon, on n'a pas vraiment euh, la même pratique, la même façon de pratiquer. Euh, je dirais pas que c'est consanguin, mais il y, y a un côté où, euh, où, on, où, on, où on se retrouve un petit peu tous les mêmes. Euh, D'arriver à découvrir des nouveaux pratiquants, des nouveaux... Euh, des nouvelles façons de pratiquer. Euh, moi, à chaque fois, je vais passer le huitième dan, j'ai des personnes que je n'ai jamais vues de ma vie euh, et qui ont autant d'expérience que moi, euh, un bon niveau, et, euh, et, et je dois euh, les connaître le plus vite possible pour arriver à m'exprimer. Et donc, euh, rencontrer de, de plus en plus de gens euh, différents, euh, nouveaux, euh, voilà. Ça serait le, la baguette magique que je. Ah ben, moi, tu... avec ma maigre euh, expérience, qui est vraiment toute petite, c'est le plaisir que j'ai eu cette année euh, de m'astreindre d'aller euh, tourner, de visiter le maximum de dojos euh, pour varier euh, les oppositions et, et varier les apprentissages. Et, et ça fait clairement euh, partie du plaisir aussi de, dans, dans la pratique. Euh, et et d'une progression certaine. Hein oui, mmh. complètement. Ok, on va parler un petit peu de du rapport que tu as euh, avec le kendo et, et ton métier d'ingénieur. qu'est-ce que disent tes collègues de toi quand ils savent, enfin euh, ils savent sûrement euh, que tu es euh, un, un expert euh, en arts martiaux. Qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils te disent J'ai toujours, j'ai toujours un petit peu caché. Toujours un petit voilà C'est euh, <laughs> quand même une trace, euh, une trace numérique, je dirais, euh, sur ouais. la toile assez large. Il suffit qu'ils tapent mon nom, ils vont me trouver. Hein, mais mais je n'ai jamais vraiment parlé. Euh... Jusqu'à assez récemment, parce qu'il y a mon N 3 qui a commencé le kendo dans mon club. D'accord. Bon, ben bah là, j'étais obligé d'en discuter un petit peu. Lui aussi en parler parce qu'il était hyper enthousiaste. Et, euh, et donc, euh, donc, là, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Mais, euh, mais sinon, j'ai toujours, euh, voilà, toujours fait la, la distinction. Je ne voulais pas qu'on on me dise bah, « ben voilà, oui, non, mais euh, tu euh, es encore parti au kendo euh, ». Alors on avait un truc à finir, il euh, a été allé à l'entraînement, enfin ouais, des choses comme ça, voilà, tout, tout bête. Euh, mais euh, mais dans l'idée, euh, ça ne change pas grand-chose si ce n'est que ça leur euh, donne des explications faciles pour certaines attitudes que je peux avoir euh, en réunion, euh, certains certains calmes, certaines persévérance, euh, opiniâtreté, euh, voilà des choses comme ça. D'accord, j'allais te poser la question, comment ça influence ton, ton comportement de tous les jours Est-ce que ça t'aide dans la performance professionnelle Alors oui, j'ai toujours dit que je ne sais pas l'homme que j'aurais été de, si je n'avais jamais fait de kendo. Voilà, donc vrai. Le, le, le fait de, voilà, je ne sais pas ce que je serais devenu, effectivement euh, totalement différent. Je, je sais que euh, ma façon d'être euh, en kendo, ben, j'ai tendance à l'avoir aussi un petit peu euh, dans le domaine professionnel. Euh, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Hein. De temps en temps d'être un peu trop euh, pushy, euh, ça, euh, ça, ça peut faire peur à certaines personnes. Hein. Euh, ça peut des fois euh, les, les faire se mettre en retrait ou, ou, ou mal réagir. Donc euh, voilà, donc j'essaye de de moyenner quand même un petit peu hein, pour euh... Tu faire un duel de kendo avec n'importe qui euh, dans le passé ou dans le dans le présent. Euh, ouais. Tu choisirais qui? Takano Sasaburo. Ok. Et tu peux Et te dire des, qui c'est? Un est... des du, du kendo moderne. Euh, c'est lui qui m'est venu. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est lui qui m'est venu parce que euh, parce que c'est un petit peu l'équivalent de Jigoro Kano pour le judo euh, ou euh, Jigoshim Funakoshi pour le karaté. C'est un des euh, voilà avec euh, avec euh, Saito -sensei, euh, Naito Sensei, pardon, c'était les deux euh, de l'ouest et de l'est du Japon qui ont, euh, qui, qui ont créé le kendo moderne, donc au début du XXe siècle. Ok. Euh, tu as des routines particulières pour euh, quand tu dois faire une présentation très importante, un passage de grade, une compétition tu... euh, Non, non, je suis pas superstitieux, ça porte malheur, il paraît. <laughs> donc, euh... ouais, et puis crois-tu te gourdes... Euh... <laughs> <laughs> non, euh, alors superstitionnant, mais le principe de la routine pour moi est important parce que euh, elle fait partie de la concentration. Voilà donc euh, la façon de mettre son armure, euh, euh, voilà la, la façon de d'avoir le, le compte à rebours hein, un petit peu avant la compétition, à peu près deux semaines avant la compétition, j'ai un petit euh, compte à rebours psychologique, euh, voilà de la tension qui monte petit à petit. Euh, je laisse pas trop le stress m'envahir, mais je fais pas de trop l'évacuer non plus parce que c'est bien d'en avoir un peu. Voilà, tous ces, ces sujets-là. Euh, voilà, et de et préparer, euh, préparer ses affaires. Alors, il y a Sumi Sensei qui disait qu'avant une compétition, il faut ranger son appartement. Voilà. Ranger sa chambre pour avoir l'esprit bien ordonné et, et après avoir l'esprit libre pour pouvoir faire son meilleur câble. Ça leur vient peut-être un peu des samouraïs dont ils disaient qu'avant de partir à la guerre, il, voilà, il fallait être bien propre ce soir. Il fallait surtout être bien, bien apprêté, la ouais. barbe bien taillée, euh, un petit peu maquillé au cas où on ouais. nous coupe la tête et on la ramène euh, à notre ennemi. Euh, voilà. C'était juste pour des... C'était très pragmatique. Bon, on ne vous le souhaite pas. <rire> euh, <rire> euh, quelle est la chose la plus surprenante que tu aies vue au Japon que, euh, lors de tes derniers voyages de mon dernier voyage, la, la chose la plus surprenante, je pense, c'était les, les Fukuro Shinaï. Les Fukuro euh, c'était c'est l'ancêtre du Shinaï. C'est-à-dire que je ne savais pas comment c'était fait. On m'avait dit, voilà, avant, avant qu'il y ait des Shinaï, il y avait un, un, un sac de cuir et à l'intérieur, il y avait des lattes de bambou. Mais ça ne me parlait pas plus que ça. Et donc là, j'ai vu un Fukuro Shinai, J'en ai, euh, ai vu plusieurs euh, d'époque. Hein. Et donc là, euh, j'ai vu comment c'était fait. Donc il euh, y a vraiment un. un un bambou entier, c'est l'atsuka. Et, et le, le reste du bambou est, euh, est taillé en, en lame très fine et enserré dans un effectivement dans du cuir, mais du cuir épais comme du cuir à chaussures, c'est pas du cuir euh, souple. Et donc quand il devait frapper avec ça, on devait, parce qu'il n'y avait pas d'armure à l'époque, il frappait directement avec le foucou on devait vraiment avoir mal quand même. Oui. J'ai vu l'outil, le, le, je me suis dit, Oula, ben heureusement qu'on a une armure maintenant et qu'on fait avec des vrais shinai. On devait, on devait passer un sale card. <laughs> oui. Bon, on mourrait pas, mais bon, euh, c'était pas loin. Ça pouvait aider à bah, être bien concentré. Euh, oui. Et du coup, je... quel est le conseil le plus surprenant et le plus étrange que tu aies reçu de la part d'un professeur de kendo Alors, le, le plus étrange, alors, est-ce que c'est peut-être la traduction Mais, euh, vous savez, les, 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 la, la traduction du japonais au, au français, c'est assez. Euh, ils sont très imagés, donc ils ont beaucoup d'images. Euh, et les kanji, d'ailleurs, sont, sont comme des images, donc, euh, les, 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 les idéogrammes. Donc, euh, et donc, euh, oh, oh, il m'a il dit, dit, alors ça m'a été traduit comme ça il m'a dit, il faut respirer avec les talons. Respirer avec les talons Ah oui, alors ça, c'est un conseil bizarre, donc ça répond voilà. parfaitement à la question. Mais et on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais, tu peux nous expliquer Mais on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais à mon niveau de compréhension, je vois ce que ça veut dire. Bah, tu peux nous donner en le titre En gros, c'est. En gros, c'est une, une respiration qui est le plus bas possible et qui, en baissant la respiration, va nous faire fléchir légèrement les jambes pour avoir beaucoup plus d'assises et beaucoup plus de, de, de stabilité. Et effectivement, ça joue un petit peu sur les talons qui, qui se baissent un petit peu comme D'accord, ok. La feuille de le papier à cigarette entre le talon et le sol, c'est ça Ouais, un petit peu ça, en fait. D'accord, ah, ok. Eh bien écoute, euh, comme je vous ai promis, il y aura les questions euh, des... 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 Alors, kendoka, kenshi, euh... et le kensodek. Oh, peut... Alors, kendoka, au Japon, c'est utilisé pour les gens qui sont professionnels du kendo. D'accord. Donc, euh, M. Amo, Claude Amo, avait cette... cette habitude de dire kenshi. Voilà, bon. Euh, on peut dire les deux, je pense. Ok, pas... donc on aura les questions des Kenchi euh, juste après. Là, on va laisser le, le mot de la fin de la première partie à Jean-Pierre. C'est ton moment, c'est ta minute. Tu peux passer le message que tu veux. La minute promo de Jean-Pierre Labru. Allez-y. La minute promo. <laughs> Mais, écoutez, euh, <laughs> déjà, c'est déjà sympa de m'inviter hein, ce, à cette interview. Euh... <laughs> non, je suis. Moi, je... le, le, le cadeau, ça se pratique. Donc, euh, je pense qu'il faut rencontrer, euh, rencontrer les gens, aller à leur rencontre, euh, pratiquer avec eux. Euh, J'ai toujours dit qu'à partir du moment où euh, la personne euh, euh, venait à l'entraînement, euh, mettait l'armure et acceptait l'affrontement, euh, elle avait tout mon respect. Ok, et eh ben, ce sera le mot de la fin de cette première partie. Merci Jean-Pierre et on se retrouve pour la deuxième partie. Euh, elle sera diffusée euh, dans deux jours, donc euh, allez l'écouter aussi. Merci Jean-Pierre. Merci. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.